vous avez du papier, une règle, des feutres, bah c'est parti pour un tuto en image. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto très très facile mais du plus bel effet. Ça fait très longtemps que j'ai envie de me lancer dans le bullet journal, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont ces agendas joliment décorés, etc. Voilà, ça fait partie des choses qui sont dans ma to-do list, dans ma wish list. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez cette liste, en tout cas des choses que j'ai envie de faire et je n'ai pas le temps de les faire, ou alors je ne me prends pas le temps, je ne sais pas. En tout cas, je me suis épinglée plein de petites choses sur Pinterest, je me suis enregistrée plein de choses également sur Instagram pour des idées de décoration et je me suis dit que ces petites décorations, eh ben, au lieu de les laisser comme ça dans un album, je pouvais m'en servir pour le scrapbooking. Ou peut-être que vous aussi, bah, vous vous lancez dans le bullet et que ça peut vous donner des idées. Donc, tout simple, une feuille de papier, des feutres, des marqueurs, une règle, un crayon de papier, allez, un petit post-it en plus et un petit rouleau de masking tape, c'est la seule chose, enfin les seules choses dont vous allez avoir besoin pour ce tuto. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager, à la liker, à la commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour recevoir une notification. J'ai été bien bavarde sur cette introduction, alors on file à l'atelier et on découvre tout ça ensemble. Alors, comme je vous le disais en introduction, vous voyez ce dont on va servir aujourd'hui, des feutres. Alors, des marqueurs ou d'autres feutres, hein, peu importe, enfin des marqueurs, des surligneurs, voilà, c'est le mot que je cherchais. Des feutres noirs, d'autres, vous voyez, style des charpies, un crayon de papier, une règle, on est d'accord que tout le monde a ça à la maison. Alors, pour le premier que nous allons faire, pour du scrapbooking, pour du bullet journal, pour vos cartes, etc. À vous de voir. Je me place ici, moi, sur mon tapis. Je vous explique pourquoi. Souvent, justement, quand on regarde les modèles de bullet journal, les pages sont avec des tout petits points. D'ailleurs, j'ai un carnet, hein, dont je ne me suis encore pas servi, mais un jour, j'aurai le temps de me le faire. Donc, ça aide quand même à tracer droit. Là, ici, je suis partie sur une feuille quand même épaisse, pour pouvoir justement utiliser mes marqueurs, etc. Mais alors vous, je ne sais pas, mais moi j'ai toujours eu du mal pour tracer des traits bien droits. Donc là, l'avantage de se placer comme ça ici sur ma feuille, c'est que je me place justement bien droite ici dans l'angle. Et en fait, avec ma règle, bah, comme ma règle est plus grande que ma feuille, je vois si je suis bien droite. D'accord ? Donc je vais pouvoir par exemple me positionner ici. Alors je vais commencer tout de suite avec le feutre. Et je vais faire un carré, rectangle, je ne sais pas trop, je vais voir en fonction des dimensions. En tout cas, je trace un premier trait ici. Pareil pour ici. Vous voyez, comme je suis en haut et en bas, bah, je sais que je suis bien droite. Donc voilà, je retrace un trait ici. Et un, pour que la feuille, elle bouge trop. Et je vais faire pareil. Alors, hop, je ne suis pas partie à partir d'un bon trait. Voilà, là, je suis bien. Et je retrace ici. Ce que je vais faire maintenant ici, c'est que je vais donner un côté comme si c'était déchiré. Donc, vous voyez, je fais comme un électrocardiogramme. Voilà. Je fais ça comme ça. OK? Là, je vais juste compléter avec le petit trait. Je vais maintenant ensuite faire des petits ronds. Alors, hop, là, peu importe si je ne suis plus sur mes traits. Je fais des petits ronds comme ça ici. Et alors, pour donner l'impression d'avoir quelque chose à spirale, hop, regardez, je fais comme une petite virgule. Enfin, pas une virgule, comme un petit crochet plutôt. Hop, hop, sur l'intégralité de mes petits ronds. Je pourrais très bien imaginer faire ça également ici sur le côté, d'accord? Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai envie de donner un petit peu un côté ombré à tout ça. Alors, un crayon de papier et je viens juste un tout petit peu, j'insiste pas trop, hein, j'appuie pas trop fort. Ici, à nouveau ici. Voilà. Donc là, moi, je vais faire toutes mes décorations sur, tous mes petits exemples d'embellissement ou autre sur cette même feuille. Vous, après, bien sûr, vous pouvez les découper pour les mettre sur votre page de scrapbooking ou autre, sur votre carte. Ou vous pouvez le faire directement sur la carte. Là, je suis partie sur du papier blanc. Évidemment qu'on peut imaginer faire ça sur n'importe quel papier. OK ? Donc, ben là, pareil, sur mon côté un petit peu déchiré, je
fait le contour pour donner un petit aspect ombré. Voilà. Ok ? Vous avez vu, pour le moment, on a déjà quelque chose qui donne déjà un chouette résultat en utilisant un feutre, une règle et un crayon de papier. Ok ? On va terminer ça en faisant, bah, comme c'est comme une petite feuille de bloc-notes et qu'on a sorti tous nos jolis feutres de couleurs, on va s'en servir. Alors, je vais prendre par exemple, hop, le rose, à tout hasard. Hein. Voilà, alors juste un conseil ici, quand vous soulevez votre règle, faites bien attention, voilà, de bien la soulever. Alors, j'ai envie que ce soit un petit peu plus large. Donc oui, de bien la soulever pour pas que ça bave. Je vais ici refaire un deuxième trait. En fait, ça dépend de la largeur de vos surlignants. Il y en a certains qui sont plus gros. Donc, voilà. Hop, je soulève. Je vais changer de couleur. Tiens, je vais prendre du bleu. Je vais faire pareil. Un, hop. Et deux. Et on va finir avec le violet pour rester un petit peu dans les... dans l'esprit, dans les teintes, hop, une fois, et hop, deux fois. Bon, on voit que ça fait un petit peu deux traits, mais c'est pas, moi ça ne me gêne pas. Je reprends mon petit feutre noir ici, et je vais écrire, alors peu importe, hein, en fonction de ce que vous allez, de ce que vous allez écrire, on peut très bien rester, moi j'aime bien le live, love, love. Ok, je vais reprendre un petit feutre un petit peu plus épais, noir, pour faire ici, voilà, comme si c'était une petite liste. Et on peut terminer en redécorant, en faisant des petits cœurs comme ça. Alors, vous avez vu ici, ces petits cœurs-là qu'on voit souvent justement dans les un petit peu petites décorations comme ça. Ils sont assez pointus, les petits cœurs. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si vous voyez comment je les fais. Je ne fais pas le cœur classique qu'on fait comme ça, en faisant deux petites boucles, mais vous voyez, c'est un petit peu plus pointu, on va dire. Voilà, on va en refaire un par ici. Celui-là était peut-être un petit peu trop pointu. Et voilà, enfin, libre à vous après de décorer avec d'autres petites choses, ou bien même à l'intérieur de cette fausse petite feuille de carnet, tout simplement tamponner. Deuxième petite décoration que vous pouvez faire, vous pouvez très bien utiliser, alors par exemple, une feuille d'un bloc de post-it. Vous pouvez bien sûr, évidemment, récupérer dans vos chutes de papier sans aucun problème. Alors, je vais décoller délicatement. Je vais poser, non, je vais le mettre un tout petit peu plus bas parce que je vais faire une petite décoration. Voilà. Si besoin, là, vous voyez comme je l'ai posé bien à plat, que je ne l'ai pas arraché, ça n'a pas fait que le post-it est comme ça un petit peu surélevé. Donc, je l'ai posé comme ça ici et je vais en fait maintenant, hop, mesurer ça. Ça fait 7,5. Je vais me noter la moitié. Je suis ici. Hop. On va mettre juste un petit crayon et hop, comme ça ici, un petit point, je refais un autre petit point par ici et en fait, alors maintenant je peux prendre directement mon feutre, je vais faire en fait comme si c'était une note qui était attachée, vous savez, comme un petit tableau, on va dire, hop, je le retourne comme ça, tac, et je vais imiter ici le petit clou, voilà, je vais ombrer, enfin faire comme s'il y avait une ombre, hop, plutôt ce côté-là de mon feutre. Donc là, je rappuie bien, non, je peux prendre l'autre côté, c'était plus épais, c'était mieux. Hop, je vais faire donc ici. Ça, c'est un feutre, c'est un, alors, je sais pas comment ça se prononce, Tombow, qui sont beaucoup utilisés dans le lettering créatif. Vous savez, c'est cette jolie façon d'écrire. Je suis en train de regarder plein de vidéos qui me font rêver. J'adore l'idée, j'adore tout ça. C'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Mais en tout cas, l'autre jour, à ma papeterie, je suis tombée sur ces feutres-là et franchement, c'est top. Il y a une pointe comme ça ici, je vais m'en servir après pour écrire. Et une autre pointe ici, j'aime beaucoup. Pour continuer ici, une technique que vous savez que j'adore, qu'on utilise souvent dans mes vidéos. On va faire comme si c'était... cousu, on va faire des petites coutures comme ça, hop, avec la règle et le feutre un petit peu plus fin, tac, 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 je continue,
Hop, de l'autre côté. Voilà. Et je vais terminer en bas. Voilà. Et je vais reprendre mon feutre ici. Et ben, je peux mettre un petit mot. Qu'est-ce que je peux mettre? Allez. Ouais, je suis en anglais aujourd'hui, vous avez vu. Don't forget. Et puis, vous mettez 3 petits points pour ne pas oublier de regarder tous mes tutos, par exemple, même les plus anciens. Voilà un deuxième petit exemple d'embellissement qui va être super sympa sur vos pages de scrapbooking, sur votre carterie ou sur votre bullet journal. Je vais reprendre mon post-it pour faire un petit peu la fainéante. Je vous explique pourquoi. Si comme moi, comme je vous ai tout à l'heure, vous avez du mal avec tout ce qui est de tracer des traits, bien droits, je vais y arriver, et ben posez votre post-it ici, peu importe la forme, et vous allez en fait tout simplement tracer autour, tac, ici, encore ici, et le dernier par là, voilà. Et ensuite, vous le décollez, vous le remettez, rien ne se jette, vous le remettez ici, vous pourrez vous en resservir pour un autre. Je vais maintenant, alors je vais faire reprendre papier parce que j'ai toujours peur de me tromper un petit peu au niveau de mes mesures. Je vais faire ici comme ça, hop. Alors là, mon post-it, pour vous donner une idée, il fait 7,5 par 7,5. Et là, je trace un petit trait en diagonale de 1 cm que je vais amener. Ah, je suis peut-être allée un petit peu trop au bord de ma feuille. Je vais m'arrêter juste là, du coup. Je vais retracer ici un autre trait aussi. Je vais refaire par là, d'à peu près, hop, 1 cm. Et je vais les relier. Voilà, je vais retracer avec mon feutre noir. Alors, je vais peut-être reprendre quand même ma règle pour éviter de faire des bêtises. Voilà, hop. Vous avez vu, j'ai mon feutre de papier qui vient de tomber. C'était la malle. C'est pas grave, j'en ai pas besoin pour le moment. Et maintenant, je vais utiliser ma règle. En fait, l'idée, c'est de faire comme si c'était vraiment un bloc de post-it. D'accord? Donc, on va imiter un petit peu tout ce relief-là. Alors, je prends mon feutre et je trace des traits comme ça. Alors, c'est pas grave si c'est pas régulier, c'est même mieux de faire des traits où vous avez plus ou moins appuyé. De toute façon, on va venir réinsister après. Hop, je refais pareil ici. Tac, 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 tac et tac. Et je vais maintenant réinsister un petit peu plus, rajouter un petit peu plus d'ombre, on va dire, de couleur sur certains. Hop. Et je refais pareil ici. Voilà. Ok? Je vais maintenant tracer un trait à environ un bon centimètre. Alors, hop, je me remets. Parce que là, du coup, j'ai plus rien pour m'aider, pour tricher. Je me replace à peu près ici. Je vois que je suis droite. Je vais... Et comme tout à l'heure, on va faire des petits ronds. Alors, cette fois-ci, je vais les faire pleins. Tiens, pour changer. Hop. Pour imiter. Voilà. Une fois que ça c'est fait, ben, comme tout à l'heure, hein, on va faire les spirales. Voilà. Donc, le petit crochet qui monte du rond vers le trait du haut. Voilà. J'adore. La fille qui est auto-satisfaite, c'est bien. Je vais faire maintenant ici des ronds pour faire comme si c'était des petites choses à cocher. D'accord? Je vais retracer un petit trait. Tac. Un autre ici. Un autre là. Et je sais pas, par exemple... On peut écrire ranger l'atelier, tiens, ranger le bureau. On n'a pas tout forcément un atelier, mais on a bien un endroit où on fait des choses. Regardez tuto autre bien. Je vais l'abréger en OTB, ok? Et donc, une fois que c'est fait, bah, hop,
On va dire que la première chose que vous allez faire, c'est de regarder le tuto et pas forcément de ranger votre bureau. On est d'accord? Et bah là-haut, je vais juste en fait... Alors, attendez bien que votre feutre noir soit sec. Et je vais juste rajouter un petit peu de couleur. Voilà, sur le dessus. Pour... Là, a priori, c'est bon. J'insiste, je frotte pas trop, j'appuie pas trop, mais c'est bon, c'est sec. C'est en fait pour pas que ça bave. Hein. Ça dépend des feutres. Non, c'est bon. J'insiste quand même pas trop sur le petit rond. Voilà, je passe autour. Et voilà. Ce qui est top avec ça, c'est que vous pouvez faire ça, donc comme dit, sur votre agenda, sur vos cahiers. Moi qui suis une adepte des to-do list, etc. C'est vite fait et on est vite contente parce qu'on a vite réussi à faire quelque chose. Vous pouvez le faire en plus avec... Ah, ça y est, j'ai bavé. Bon, tant pis. J'ai insisté trop sur le... Voilà, je vous montre comme ça la bêtise à pas faire. Alors, je vais vous le montrer. Je m'étais fait toute une page avant. Alors, il ne faut pas que je vous montre ce qu'il y a au-dessus parce que j'ai pas fait sur la même. Voilà, là, je l'avais fait et ça n'avait pas bavé. Donc, c'était quand même mieux. Mais voilà, bon. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Voilà, en tout cas, le résultat. Une autre petite idée toute simple avec vos marqueurs. Enfin, vos surligneurs, chaque fois je dis marqueur, surligneur, et alors soit un morceau de coton, ou moi ici j'en ai plus, j'ai que des lingettes. Ici c'est une lingette bébé, enfin des lingettes qui me servent à nettoyer mes tampons qui est toute sèche. Ça peut être une petite éponge, bref, un petit support. Et en fait vous allez l'utiliser dans quelque chose de sec. Hein. Vous allez tapoter avec votre marqueur comme ça. Et l'avantage, c'est que souvent, vous voyez dans les tutos de scrapbooking qu'on utilise des encres pour faire des fonds. Ben, si vous n'en avez pas encore ou pas la couleur que vous voulez, et ben, vous allez pouvoir utiliser vos surligneurs. Regardez, hop, ça fait tout de suite un super rendu. Alors là j'ai choisi de le tapoter. Je pourrais très bien, j'ai pas essayé, mais je pourrais très bien imaginer de faire des choses comme ça. Regardez, c'est super aussi comme ça. Voilà, là j'ai choisi de tapoter, on peut très bien le faire. Comme ça, hop, je vais le faire en rajoutant un petit peu du rose, par exemple. Là, j'ai pris le petit, ce sera pareil. Voilà, un petit peu partout, même principe que tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait si je le fais en arc-en-ciel? Ça peut être super sympa aussi. Voilà, peut-être encore un tout petit peu de rose. Il y en a peut-être un petit peu moins que le violet. Tac. Voilà, et je peux très bien, par exemple, je vais reprendre justement mon feutre de tout à l'heure et on peut écrire quelque chose à l'intérieur. Je sais pas, je vais écrire You et on va remettre des petits cœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est top, non? Encore une petite idée pour vos titres ou autres petits embellissements que vous souhaitez faire. Alors, je vais déjà tracer un trait. Là, je suis à peu près à 5-6 cm du haut. Vous allez comprendre pourquoi, peut-être même un petit peu plus bas encore. C'est pour savoir à quelle limite je vais écrire. Donc là, vraiment, il est tracé tout fin. Je vais me servir ensuite d'un morceau de masking tape. Hop. Je vais me mettre, par exemple, ici. Voilà. Je vais prendre un de mes feutres et je vais écrire... Alors là, je choisis d'écrire le prénom Lisa. Je choisis de me mettre sur le plat de mon surligneur pour avoir un trait le plus gros possible. Donc, hop, I, le S. Et alors, pour le A, je vous conseille de faire la barre sous le masking tape. D'accord? Je prends ensuite mon feutre et je vais tracer un trait à la hauteur, je me sers du masking tape en fait pour tracer un trait droit et qui sera exactement de la largeur du masking tape forcément. Je le retire maintenant délicatement. Normalement le masking tape ne doit pas abîmer votre papier, mais enfin bon, retirez-le quand même tout doucement, on ne sait jamais. Voilà, parfait. Je vais maintenant simplement faire ici une bannière, c'est-à-dire que je vais faire un trait à l'intérieur, un trait à l'extérieur. Voilà, ça nous fait comme une petite bannière, intérieur, extérieur. C'est parfait.
comme ça. Je vais reprendre mon feutre noir que j'avais tout à l'heure et je vais en fait refaire une partie un petit peu plus foncée ici pour faire comme si c'était une ombre. Également ici. Et je vais également le faire ici. Voilà, hop, bien que j'aille jusqu'au bout. Et bien que j'aille jusqu'au bout. Et en fait, je vais réécrire maintenant le prénom Lisa à l'intérieur de ma petite banderole qui est ici. Alors, restez, vu que vous allez écrire forcément un petit peu plus petit, essayez de le centrer quand même un petit peu. Donc moi, je vais partir à partir. Ouais, ça fait beaucoup de partir. Hein. Je vais commencer à partir du I. Voilà. Et puis, bah, comme je suis dans ma journée des petits cœurs. Là, il est un petit peu gros celui-là pour faire les cœurs. J'aurais dû prendre le plus petit. Mais voilà. Donc, vous pouvez imaginer ça avec tous les mots possibles et inimaginables. Alors, comme je vous disais, hein, je ne suis pas du tout une pro de l'écriture avec ces fameux feutres spécifiques en lettering. Mais voilà, en tout cas, ça donne une idée de ce qu'on peut faire pour vos titres ou autres. Dernière petite idée pour vos différentes décorations. Alors, c'est pareil, je vais me servir d'un masking tape. Je vais en mettre... Oh, alors, celui-là... C'est pas un masking tape de super qualité. Des fois, quand je le détache, ben, y a des petits morceaux qui restent. Je veux vraiment toute la largeur de mon masking tape. Je vais le poser comme ça ici et je vais le poser en étoile. Hop. Encore un ici. Hop. Et je remets comme ça sur la diagonale. Tac. Alors, prenez le masking tape dont vous vous servez le moins, hein, vu qu'après, vous le jetez. Je vous avouerai que le jaune, ce n'est pas forcément dans mes couleurs de prédilection. Donc, voilà. OK. Ensuite, un feutre. Là, je choisis un feutre vert. Vous choisissez bien la couleur que vous voulez. Et vous allez faire des ronds. Alors, l'idée, ce n'est pas de repasser à chaque fois sur le même rond. Bien au contraire, de faire comme ça. OK. Je vais maintenant délicatement retirer le masking tape. Donc, même consigne que tout à l'heure. Normalement, ça n'abîme pas, mais faites attention quand même. Hop, hop, l'avant-dernier. Hop, et le dernier. Voilà. Ça nous laisse donc des petits espaces à l'endroit où il y avait le masking tape. Alors, vous pouvez choisir de mettre du masking tape plus large si vous voulez un petit espace, on va dire, un petit peu plus large. Je vais prendre maintenant mes Stabilo. Enfin, ce n'est pas des Stabilo. Stabilo, c'est une marque. Mes surligneurs rose et je vais faire des petites fleurs. Alors l'idée c'est vraiment pas, je suis pas une pro en dessin déjà, c'est de faire vraiment un petit peu du, je sais pas si on peut appeler ça de l'abstrait, mais voilà, quelque chose d'un peu, je sais pas, je trouve pas le mot. Un petit peu enfantin on va dire, voilà, ok. Donc en fait je fais des petites fleurs comme ça, tac, tac. D'ailleurs, c'est même pas régulier, mais le but, c'est pas que ce soit régulier. Hein. C'est comme pour les ronds qu'on a fait. Hop. Ici, ici, ici. Il faut même dépasser un petit peu sur le vert. Je vais prendre mon feutre noir juste pour faire le petit cœur de ma fleur qui est ici. Tac, 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 tac. Et encore là. Et je vais reprendre mon feutre. Je vais essayer d'écrire un joli mot cette fois. Parce que quand je m'entraîne, j'arrive quand même à faire des jolies, plus petites choses que ce que j'ai pu vous faire tout à l'heure quand j'ai écrit Lisa. En fait, j'ai bien compris qu'en lettering, en fait, c'est quand on descend qu'il faut appuyer sur sa pointe. Donc, je vais essayer. On verra bien ce que ça donne. Hop, là, je remonte. Là, je descends. Hop, voilà, c'est pas terrible, terrible, hein. Je vous mets un lien, tiens. Je vous le mettrai dans la description. De la personne que je suis, ça s'appelle Lettering Créatif. J'aime beaucoup, beaucoup ce qui est fait. Mais voilà, bon, allez, c'est pas très, très grave. Love, etc. Voilà. Vous avez vu que nous avons fait différentes petites décorations avec très, très peu de choses. Des feutres, une règle, un crayon de papier, enfin voilà. Ça vous donne en tout cas des petites idées. Je vous en mettrai d'autres, notamment sur Instagram, parce que je m'avais préparé d'autres petites, toutes simples, mais je me dis que ça risque de faire une vidéo un petit peu trop longue. Donc là, ça nous en fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6.
que vous pouvez décliner dans toutes les couleurs. Donc, n'hésitez surtout pas à venir me montrer le résultat sur le groupe rattaché à la page Facebook au Trop Bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu comme c'est facile? Vous allez vite avoir ce sentiment de satisfaction, comme disent un petit peu les jeunes aujourd'hui, quand on a fait quelque chose assez rapidement et que tout de suite on voit le résultat. En tout cas, j'aime beaucoup l'idée. Si cette vidéo vous a plu, vous la partagez, vous la likez, vous la commentez. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Je vous invite également à me retrouver sur mon compte Instagram, sur ma page Facebook et sur le groupe rattaché à la page. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye!